Bonjour public, pour ceux qui me regardent, je vais vous montrer un petit tour de mentalisme. Alors ça change un petit peu des tours de cartes classiques. Alors c'est un tour qu'on a appelé le sixième sens, c'est marqué ici en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait on va utiliser nos sens pour faire ce tour-là. Donc j'ai des cartes qui représentent en fait, du moins j'ai deux séries de cartes exactement, qui représentent les cinq sens qu'on a, du moins les six sens qu'on a. C'est-à-dire la télépathie, l'ouïe, le goût, la vue, le toucher et l'odorat, et les mêmes ici. Alors bien sûr, nous on ne possède que 5 sens, on dit que les animaux ont le 6e, et du coup c'est pour ça qu'on a mis le 6e sens aussi, parce que parfois il y a beaucoup de gens qui pensent que le magicien il pense des choses et on a le 6e sens. Donc on en a mis 6 tout simplement. Donc vous les connaissez tous, hein, l'odorat, le toucher, la vue, le goût, l'ouïe. Et la télépathie qui est le 6e. Bon, ce que je vais faire, c'est très simple. J'ai les mêmes cartes ici et je vais en choisir une que je vais retourner face en bas dans mon petit paquet. Alors bien sûr, je ne vais pas vous montrer, c'est pour ça qu'on va cacher ça. D'accord? Et avant de faire quoi que ce soit, Thierry, tu vas penser à un des sens. Mais juste y pense. D'accord? Tu me dis rien, juste y pense. Ok? Et maintenant, je vais retourner une des cartes. Celle-ci. Et je ne vais pas vous montrer, je vais cacher. Très important, vous ne voyez pas la première face de la carte. Autrement, Thierry, tu pourrais changer ton choix. Et du coup, je ne veux pas. Voilà, on ne voit pas. Donc ici. Très bien. Ok? Juste ici. Donc regarde bien que je ne triche pas. D'accord? Thierry, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une de ces cartes-là et que j'ai mis face en bas dans mon paquet. D'accord? À une position bien spécifique, d'ailleurs que tu ne connais pas, entre 1 et 6. Maintenant, tu vas me dire le sens sur lequel tu as choisi. Le toucher. Ok? Regarde bien, que je ne triche pas. Je prends les cartes une par une et du bout des doigts. La télépathie. Et dans le même ordre. D'accord? Louis, tu ne vois bien que je ne manipule rien, je prends juste les cartes du bout des doigts. Le goût, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes cartes dans le même ordre. La vue. Le toucher. Et ce qui est fou, c'est que c'est la seule carte qui est retournée. Et la dernière, l'odorat. Quand même que je n'ai pas d'autres séries et pas de cartes cachées dans ce petit foulard. Ce qui est assez étonnant Thierry, c'est que tu as vu, on a exactement le même ordre. D'accord, j'ai pris les cartes une par une et ce qui est fou, c'est qu'à l'emplacement du toucher, moi c'était la seule carte que j'avais retournée. Déjà, première coïncidence. C'est étonnant. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que j'étais tellement sûr que tu allais choisir le toucher, que c'est la seule carte qui n'existe pas dans ma série. Et tu peux toucher. C'est pas des cartes qui s'effacent. Si tu penses que c'est des cartes qui s'effacent, pas du tout. Et ce qui est assez bizarre, c'est que c'est la seule carte manquante de ma série. Bizarre ça quand même. Comment c'est possible que je savais que tu allais choisir le toucher? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. Et en plus, c'est marqué dessus. Bizarre, bizarre. Étonnant, non? Voilà. Ça, c'est le tour du sixième sens.